Bonjour à tous, alors on espère que vous allez tous bien. On va faire une vidéo suite à celle d'hier, mais qui n'a rien à voir, parce qu'on a enfin reçu notre sapin de Noël. Alors ça fait une semaine qu'on l'attendait, une semaine de retard dans la livraison, mais à première vue, comme il y a beaucoup de livraisons en ce moment, que beaucoup de gens ont commandé, ils sont débordés, ils font même des fois 2-3 livraisons dans la journée. Donc il devait arriver vendredi dernier. On a eu une première livraison hier, mais il n'y avait pas le sapin, donc nous l'ont livré aujourd'hui. Alors, je suis avec Nanane. Bonjour. Je suis avec l'autre, là, qui n'arrête pas de rigoler, qui fait je sais pas quoi. Bonjour Inès. Inès. Quoi? Bonjour Inès. Voilà, et normalement, on avait Yanis. Mais laisse-le, qui devait faire le sapin avec nous. Mais en fait, on l'a perdu en route. Je sais pas si vous le voyez. Parce qu'en fait, on attendait que Ryan rentre du collège, comme il quittait, c'est lui qui quittait le plus tard. Et Yanis, il a pas supporté d'attendre, et il s'est endormi. Donc on va essayer de le réveiller, malgré tout. Et on va essayer de faire le sapin avec lui. On essaye de le démonter, déjà de l'ouvrir, et je vous reprends après. Bisous. Bon, sapin enfin monté. Un Yanis toujours endormi, je viens de marcher sur le carton. Un chat qui se demande où il est passé. Un Ryan qui nous fait de la... Parce qu'on a toutes les lumières. De la lumération. De quoi? La lumération. Oh putain. Une Inès qui était censée nous aider et qui regarde le mode d'emploi sur son portable. Donc on est mal barré, moi je vous le dis. Yanis, tu viens accrocher les boules? Oh, c'est bizarre dit comme ça, non? Bon. Donc on va essayer de se faire un truc sympa, toche, machin et tout. On va filmer au fur et à mesure qu'on mettra les boules. À toute. Comment tu l'as appelé? Ton chameau? Mais il ressemble pas à un chameau, cet enfant. Et lui, se laisse faire. Non, mais j'hallucine. Ça va, mon amour? Tu veux mettre encore des décorations? Allez, alors, on a installé les lumières. Et maintenant, on va installer les... tambours. Les tambours. Les boules et les décoras. Et les tambours. Et les tambours. Et tu viens regarder deux petits trucs pour toi, pour attacher. Oui. Ça va Inès? Non. Tu fais l'inspecteur des travaux finis toi? Non. Nanou, t'accroches quoi toi? C'est quoi ça? Montre à maman. Ah, c'est des petits cadeaux. Waouh. T'as vu, il y a plein de lumière dans le sapin par contre. Hein. Tu l'accroches où tu veux mon cœur. Bon, voilà, donc on vous montrera une fois que toute notre déco sera terminée. Et puis voilà, on vous dit à tout à l'heure. Il va falloir qu'on mette Valérie Damido au travail parce qu'elle semble pas. Elle nous fait plus l'inspecteur des travaux finito. Il l'a pas mis assez haut. Je rigole. Voilà, on verra bien une fois que ça sera terminé. Allez, bisous. Ça va, mon Ryan? Tu t'en sors? Ça va, mon Nanou? Oh non. Tu fais quoi, mon Yanis, toi? Bon, Valérie Damido, elle fait quoi? Elle vient de se faire mal. Parce qu'en fait, on a notre inspecteur des travaux finis, nous aussi, qui est là. Je sais pas voir. Qui s'appelle Valérie Damido. En fait, c'est l'adjointe de Valérie Damido. Et elle nous dit juste où faut mettre les boules. Plus en haut, plus à droite, plus à gauche. Moins de lumière. Dégage les angles. Bah attends, on va les sortir après, Doudou. Comme ça. Non, ça va tomber, Ryan. Dès qu'on va toucher. Non, je vais les attacher. Ceux-là, je vais les attacher. Ouais, mais le reste, faut mettre vraiment de la ficelle. Non, mais il n'y a rien dessus, il y a juste des paillettes. D'accord. C'est trop quoi? Fais voir comment tu fais. Ça serait mieux sans ta tétine quand même que tu décores le sapin parce que... C'est trop mignon. Ok, bon bah vous voyez, hein, ça avance bien. Après on va mettre un coup de balai en dessous, puis on va tout cacher toutes les prises avec le truc qui va autour du sapin. Après on va mettre... Faut en mettre un peu en haut les gars, non? Bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est Ryan quand il était petit ça. On veut mettre Ryan quand il était bébé. Donc vous voyez, comme tous les ans, dans notre sapin a été intégré mon grand-père,
mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma tante qui est quelque part dans le coin, mes grands-parents, en fait, ils sont tous là, ils sont tous dans notre sapin tous les ans, donc voilà. Ils sont tous avec nous, malgré qu'ils... Ils sont tous avec nous. Ils sont toujours dans notre présent, dans notre cœur en tout cas. Et à Noël, ils sont dans notre salle principale avec ma... Fais voir. C'est quoi? Ah, Inès qui joue au foot. Bah ouais, il faut le mettre dans le sapin parce que là, il n'y a qu'un miracle. Qui peut nous sauver. Hein, ah, Inès. Elle dit, je vais mettre Inès qui joue au foot. Elle dit, ouais, mais là, dans le sapin, là, il n'y a qu'un miracle hein, qui peut faire reprendre les matchs. Hein. Regarde Inès, t'as ton danseur privé. Qu'est-ce que tu fais, Nanou? Ah yeah, le sapin est fini. Alors je sais pas ce que vous pensez, mais nous on le trouve plutôt réussi. Et oui, on a mis de la lumière sur les fenêtres. Regardez comme c'est beau. Et c'est Nanou qui a la télécommande pour faire changer les... Alors, on n'a pas fini, en fait. On vient juste de terminer, en fait, notre sapin. Regardez les gens, comment ça fait ça. Voilà, il joue avec la télécommande qui rythme les lumières. Le mec, c'est un chat en chaleur. J'aurais dit un orang-outan. Aussi. Parce que oua. Regardez comment l'éteindre. Voilà, on pourra l'éteindre quand on ira se coucher et la laisser allumer après. Enfin, l'éteindre la journée. Bon, est-ce que ton sapin te plaît, mon anneau? Oui. Alors, cette année, on a opté pour nos guirlandes. Et que des lumières, en fait, et des boules et des petites perles, en fait. Donc, pas de guirlandes, des boules, des étoiles, des machins, mais pas de... Regardez ça. Et par contre, tu parles pas avec ce que tu as dans la bouche, s'il te plaît. Regardez les gens, ça. Ça va faire... Non. Ça te plaît, mon cœur? Et en fait, il nous reste tout ça comme décoration. Il nous reste encore des lumières à poser, mais pas ici. On va les mettre dans notre entrée, dans le couloir. Et on a la super DJ qui nous fait un tout. Là, il y a 10 secondes, elle dansait. Et là, elle ne veut plus danser. Et vous voyez, on a aussi... au milieu de nos photos... Alors, nos collections de boîtes... Et à l'intérieur, vous avez... Non, j'arrive pas à les ouvrir... Donc, on a une boîte Père Noël. À l'intérieur, vous avez des petites guimauves, des petits... Voilà, il n'y en a plus, ils ont tout mangé. Et dans notre autre petit bonhomme, là... Et dans notre autre petit bonhomme, on a caché des Kinder Chocobons. Alors, ceux-là, ils sont excellents. Chocobons. Non, Chocobons, pas Chicobons. Après, on a ma collection de petits casse-noisettes. Alors, j'en ai... Attends. J'en ai en bougie qu'on va allumer le jour de Noël. On a nos petites boules de neige. Je vais t'en donner. Et on a nos casse-noisettes. Et la dernière fois que j'en ai acheté, j'ai acheté le pendant. Alors j'en avais déjà un, celui-là. Et j'ai acheté son pendant pour qu'il y en ait deux. Et au magasin, en fait, ils avaient des casse-noisettes qui ne se vendaient pas parce qu'ils étaient différents. Et pas forcément ce que les gens attendaient. Donc on nous l'a donné. Et nous, en fait, on le kiffe. Enfin, les enfants l'adorent. Voilà, il trouve que ça ressemble à une majorette, mais il est trop drôle. Enfin, il est un peu cassé, il est un peu abîmé, on a du mal, mais nous on l'aime bien en fait. En fait, je pense qu'on est une famille qui aime les choses qui sont un peu atypiques et un peu hors normes, c'est ça. Et puis après, Nanou, tu danses? Vous avez vu un peu la belle musique de Noël qu'on écoute nous à la maison? Et ben voilà, on a terminé donc de faire le sapin. Oh putain, regardez-moi ça. Je brille, j'ai des paillettes partout. À force de toucher les boules du sapin, je vous vois venir.
À force de toucher les boules du sapin, eh ben, je me suis foutu de la paillette partout sur le visage. Ben, bravo. Donc, on a terminé donc notre sapin qui est, vous voyez là, on a mis les petites lumières sur la fenêtre. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez en fait. On a accroché des lumières sur notre fenêtre. Et en fait, on n'a pas totalement fini notre déco de Noël, mais les grands étaient un peu fatigués ce soir. Et donc, on finira tout ça demain mercredi, puisque l'après-midi, personne n'a école. Donc, on vous montrera le résultat final dans une deuxième vidéo sur nos décos de Noël. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain ou après-demain. Bisous à tous et faites attention à vous.